Saluer la presse parlée, écrite et télévisée et toute presse qui est en ligne, nous saluons. Et maintenant, on a profité micro la presse pour nous saluer toute organisation populaire, organisation sociale, organisation politique, parti politique qui parle à l'osio à travers tous 10 départements pays. Nous dit bataille à lancer pour nous voyer Jovenel Moïse aller avant 7 février 2021. Maintenant, nous présenter devant la presse là encore. Pour nous venir parler avec la population, de une série de ministères, avec une série de banques qui ont fait des services dans le pays, qui ont fait des ordres dans les banques, qui ont fait des ordres dans le ministère. Tant que service banque a fait la population, et nous remarquons que c'est toute banque qui fait ça. Qui n'est pas bon, qui n'est pas bon et qui n'est pas normal du tout. Je dis comment t'as pensé ou pour ton cob vient dans une banque ou bien vient recevoir un cob dans une banque et puis je dis à yo qui te font pile temps bon la ria non soleil et puis définitivement pour rentrer dans banque pour rentrer dans banque là pour aller prendre cob là sans tout sortir dans banque là pickpocket green sip pour cob là non mais laisse on pas connait qui c'est pour aller on pas connait qui est pour correspondre nous dit ça pas normal nous dit tout n'est pas normal. Pour nous, c'est un client dans la banque. Je dis à chaque transaction qu'on a fait dans la banque, et puis définitivement, il faut payer la transaction qu'on a fait. Nous disons ça pas normal, parce que comme nous portons à la banque, soit nous faisons dépôt, c'est même comme ça qui dans la banque, mais ces dames qui dans la banque, a brassé pour prêter avec notre instance Gozouzounio, définitivement, pour faire comme. Et puis je dis à tout service dans la banque, personnellement, service nous payer pour yo. Nous disons ça pas normal. Nous disons. Jodi a faut banque yo suspend faire spéculation sous dollar parce que spéculation que messieurs dames yo a fait dans banque yo c'est ça qui fait dollar pas stable. Ça veut dire pour 10 dollars c'est comme si son ressort yo mettait on ti cadet yo monter ressort on ti cadet yo descend ressort et bien nous dit li pas normal parce que jodi a spéculation qu'a fait tout ça permet que dollar pas stable chaque jour ou tendez 50, 62 gouttes, combien c'est ça fait dollars pas castable. Nous dit tout, bon banque ici fait plus des autres. Banque ça a relé une banque. Les gens ont bluffé, ont mercenaires qui n'ont tête, les calbaoun. Je veux dire, c'est monsieur fait plus des autres dans la question bancaire. Nous dit, faut une banque, bail bon genre explication de 9 millions de dollars vert. Michel Matéli. Prends ma lettre, li, prends le conteneur, là, prends un inibok, entendez pour la construire en caille. Je dis à mes amis, moi, quoi qu'il pas normal, je dis à Matéli, pas un businessman, je ne sais pas qui ça Matéli est, et comme ça, Matéli a pris un inibok, là, je ne sais pas qui a fait, mais nous entendez, inibok prêté, c'est pour la faire en caille. Je dis à côté que la population a un grand goût, côté que la population a dormi sous place publique, côté la population a dormi à la belle étoile, on seul individu. Que non cité dans cocaïne non doit li fouer très fort dans l'agent pétro-caribéen et puis je dis à l'entrée dans Unibank li prêter 9 millions de dollars vert pour la faire un seul caille. Je dis à nous mandé Calboaon pour bail population bon gens explication sur question 9 millions de dollars vert ça parce que je dis à banque yo bagi cop pour prêter jeune entrepreneur banque yo bagi cop pour prêter messieurs dames qui dans agriculture. Banque yo bagay kòb pou yo prete ti machan avec gros machan mais on sel jou matin Michel Matéli descend nan Unibank sous complicité de Calboaoun li prete 9 millions de dollars vert pour la bâti on sel kay. C'est ça que fait nous même ensemble organisation politique de l'opposition nous dit si toutefois Calboaoun Jean Baden Dibois pa ka ba explication nous même ensemble organisation politique de l'opposition nous pral mener une campagne pour montrer au peuple clair que Unibank n'a blanchi l'argent sale pour messieurs dames gros zouzounyo qui n'ont PHTK avec bouclier. Et bien c'est dans ce sens ça nous dit population, il pas un secret pour personne monde. Tout le monde entendait Michel Matéli faire comme lui dans cocaïne. Et puis nous dit pour nous finir. Nous dit Jodia nous dit ce coup cap ce coup pas Calboaoun nous dit dans notre semaine c'est pour une banque c'est pour songer banque
c'est pour Capital Bank, c'est pour BIH, c'est pour BNC, parce que dans le secteur bancaire, c'est moun sa k'ap blanchi l'argent sale qui fait ti malheureux, ti malheureux à pouton massifler. Et bien nous dit Jean-Baden Dubois, sous pas nos complots, nous mandons tant pri ensemble organisation population mandons tant pri rivé dans Unibank pour demander monsieur Calboaon règlement sous 9 millions de dollars vert libre de Michel Matelia. Et bien si toutefois ou pas capable peuple la bonne explication tout dans semaine k'ap vini ensemble organisation population a mettre photo nous sous tout mi qui dans capitale là même dans communauté internationale là pour nous montrer clair que c'est nous même qui blanchi l'argent sale pour messieurs dames gros zouzou. Merci la presse et à bon entendeur des saluts. Et bien nous dit nous pas camper dans route, nous pas aller jusqu'au bout définitivement pour retirer population dans maras économique lié à dans maras sanitaire lié. Merci la presse. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition prend acte des décisions Banque centrale prend pour injecter 12 millions de dollars américains de plus sur les marchés d'échange. À partir des décisions, nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous espérons que l'ensemble des revendications nous mené et nous continuons à mener devant BRHO, il y a rete en application. 1. Nous exigeons pour que le dollar baisse à 40 gouttes pour un dollar américain. 2. Nous disons que banque commerciale, il faut que donc gain prêt qui est disponible pour étudiants ou pour les gens qui ont créé leur propre entreprise. Il faut que gain prêt qui est disponible pour les gens qui ont une petite et moyenne entreprise, pour les machins. Il faut que gain prêt tout qui est disponible pour le secteur agricole là. Et le secteur agricole là, non seulement faut qu'il y ait prêt qui est disponible pour lui, mais faut que l'État crée un système d'assurance pour permettre que les gens aient perdu et récolté pour l'État de dommager. Nous profitons tout pour nous dénoncer une sorte de conflit qui existait entre Banque centrale et ministère de l'économie et des finances. Tout le monde connaît le ministère et BRH en tant qu'organe régulateur. C'est BRH qui connaît qui est la mettre plus scob en circulation et qui est la mettre moins scob en circulation. Eh bien, je dis, hein, le fait que c'est des gros babines, c'est des mafias qui sont dans le secteur bancaire, qui sont dans le secteur économique, là, qui te mettent Patrick Boisvert comme ministre de l'économie et des finances, eh bien, nous constatons, ministre de l'économie et des finances, qui c'est Patrick Boisvert, l'a injecté scob sous marché, hein, sans consentement BRH dans optique pour que goud la perd du valeur pour dollar continuer monter sous marché. Et tout le monde connaît les trop goud en circulation, ça va créer un effet néfaste sur l'économie. Et bien c'est ça que donc ministère économie et finance a fait. Donc par rapport à ensemble des mauvaises gestions qu'a fait dans ministère économie et finance, et bien nous même dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous demandons à ULCC pour mener une enquête pressée sous gestion, sous mauvaise gestion, donc Patrick Boisvert en dans ministère économie et finance. Malgré nous constater de 124 à 100 à 62 gouttes pour un dollar américain, le dollar a commencé à baisser. Mais nous constater, je dis, hein, prix produit premier nécessité n'a pas baissé. Malgré ministre de facto à qui c'est Jonas Kofi demandé pour tout le monde qui a vendu bien avec service en Haïti et spécialement entreprise pour afficher prix produit en goud. Les nous même dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition n'al mené enquête non série des magasins Pétionville par exemple, magasin Rivoli par exemple, complexe Belvédère, et bien nous constater tout produit qui est dans le magasin Rivoli avec complexe Belvédère, produit ça, il est affiché en dollars. Raison, c'est parce que c'est Bidjo, c'est pour Bidjo magasin ça. Eh bien, nous dit, politique Jonas Kofi a mené, politique commerciale que Jonas Kofi a mené en dans le ministère commerce là, son politique d'un pourri, il est force sous bon ennemi. Eh bien, dans ce sens, nous exigeons démission Jonas Kofi pressé dans tête ministère commerce là.
Parce que, je dis, hein, nous constatons un ensemble d'entreprises qui toujours affichent prix produit en dollars. Et prix produit, au lieu de baisser, c'est monter ou continuer à monter. Nous pas oublier DGI tout, en tant qu'institution étatique qui représente l'État, qui t'a doué plancher sous question FEMCA en Haïti. Donc nous avons toute majorité FEMCA en Haïti, et bien a fermé en dollars américains. Or l'État dit, transaction pas de fait en dollars. Raison, c'est parce que DGI faillit à mission. Et bien nous demandons DGI pour qu'elle prenne responsabilité, non seulement pour empêcher les propriétaires à fermer les cailloux en dollars, mais pour prix cailloux, ferme cailloux, baisser parallèlement à dollars qui baisse. Eh bien, nous disons, dans le jour qui vient, si DGI n'a pas pris responsabilité, eh bien, nous allons manifester devant DGI pour que DGI prenne responsabilité. Eh bien, nous disons, ministère économie et finance, donc si vous trouvez des possibilités pour agir de concert en harmonie avec BRH, pour que le dollar soit stable, pour que le dollar baisse, eh bien nous dit donc ministère commerce, ministère de l'économie et finance pral dans l'œil du cyclone. Merci la presse. Organisation politique d'opposition vient annoncer des journées de mobilisation. Des journées de mobilisation devant le ministère économique et finance. Devant BH, dans le jour qui vient là, mobilisation citine contre la vie chère, contre grand goût, pas camper. Et ça va continuer à exiger 40 gouttes pour 1 dollar américain. Et dans ce sens, l'organisation politique de l'opposition vient annoncer deux journées de mobilisation, mardi 4 novembre, et vendredi 7 novembre qui vient là. Mardi 4 novembre devant ministère économique et finance pour en parler avec le ministre financier qui a fait des ordres en deux ministères. Et vendredi 4 novembre, nous allons camper devant BH pour continuer à demander à Jean-Baptiste Dubois d'injecter l'argent sur le marché économique qui vous permet que la revendication qu'il a demandé depuis quelques mois de ça, qui c'est 40 groupes de dollars pour nous arriver joli. Et dans la population haïtienne, l'année dernière, dans le mois de novembre, décembre, l'argent américain, 3, 90 gouttes, 91 gouttes pour un dollar américain, bien à ta vente, 40 gouttes à 50 gouttes. Et je le dis, l'argent américain descend à 60 gouttes. Pour nous, l'Américain, et Bouana lui-même, lui vend bien, plus cher toujours que l'argent de vol, en 91, et pour nous, l'Américain, l'année dernière. Ça veut dire que nous ne savons pas où est la population qui a souffrance, qui a besoin. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous disons que si Bouana n'a pas descendu bien à 30 ou 35 gouttes, le prochain site que nous pouvons faire, nous pouvons faire devant la boîte nationale. Que tout le monde connaît, quand c'est Isinoye, c'est sur route aéroport à Kennedy. C'est là que nous allons prendre des piquets, nous. Parce que pour le novembre, décembre, la population doit jeûner bien à 30 gouttes, 35 gouttes. Parce que la jamais qui en descend. Et nous dit que Jean-Baptiste Dubois, pour injecter l'argent sur le marché économique, qui vous permet que l'argent descende à 40 gouttes pour nous là. C'est là que nous voulons l'argent venir, nous-mêmes. Qu'a fait revendication nous passer. Et nous dit avec Jonas Kofitou, nous parlons devant le ministère, nous continuons devant le ministère pour nous exiger, pour nous toujours demander pour descendre le prix produit pour les nécessités. Parce qu'il y a plus de monde qui a pris nous. Quand nous avons fait une bataille comme ça, Dieu a dit qu'on vend 280 dollars haïtiens, mais je dis à remettre 50 dollars sous lui, remettre 30 dollars sous le cycle là. Ils mettent 30 dollars sur farine, ils mettent 50 dollars sur farine, 40 dollars sur l'huile là, qui donc en y est pas descend, ils continuent à monter encore. Et bien dans ce sens, que nous disons que nous-mêmes, nous ne pouvons pas camper, nous ne pouvons pas continuer à battre jusqu'au bout. Si Jonas Kofi, il va être esclave mental, il va rester avec bourgeois et gros commerçants,
Tiradio, et bien, il doit bailler démission, soit que il dit un mot sur les premières nécessités, ou dit que il bailler démission. Mais c'est dans ce sens, en ce moment, il y a une politique de l'opposition, présentée devant la presse aujourd'hui, pour bien conférence de presse, pour nous dire que la population haïtienne ne pas prendre la diversion, pas prendre l'intimidation, pour qu'il y ait monde. Ça a fait parce que dire à la famille continue de descendre, pour la famille descendre, l'huile la famille descendre, gaz à tout, il faut continuer de descendre parce que nous avons besoin, parce que les gaz à descendre, nous connaissons un produit transversal qui est là pour permettre que la production nationale mange, qui a sorti en province, il y a un capital là, normal et puis le prix a descendre. Et c'est ça que nous disons pour gaz à descendre tout, en même temps, nous dit que tout le monde qui a attendu, Bouada, qui gagne responsabilité, qui a vendu bien, qui a vendu Arequen, qui a vendu Guinness, qui a vendu Homme, tout ça, il faut qu'il descende pour le peuple là, qui a boué correctement leur film manger dans le pays. Parce qu'il a dit pour nous finir, manger pas qu'il y a un luxe dans le pays. Il faut que la population mange au moins une fois et demi par jour. Bon, ma explication sur ça. Elle dit que matin, il y a un petit déjeuner. À midi, il est 2h, il a mangé correctement un bon dîner. Qui donc, population, jeune là, malgré le pas qu'à acheter, il va y avoir pouvoir d'achat, il est en chômage, mais au moins, il faut y manger. Si la population capte de nous là, il faut nous lever campé, dans le jour qui vient là, dans 2 journées de mobilisation, mardi 4 novembre et vendredi 7 novembre, pour parler avec l'État coupé ça, gouvernement anti-changement ça. Merci.